Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bonjour Glenn. Bonjour Romain pour cette première. C'est impressionnant, c'est le premier. Ça y est, on est parti. On a touché, on l'a préparé ce live, on a préparé tout. Vous allez voir, c'est, on va avoir des choses inédites et exclusives à suivre bientôt. Mais en tout cas, on a préparé pour la première fois ce AROC 2018. Exactement, c'est ce AROC 2018 sur Signégé, du coup, sur le site. J'espère que vous êtes sur le site ou sur le YouTube, ça dépend où est-ce que vous nous suivez. J'espère que vous nous suivez sur les réseaux sociaux aussi tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste dit, eh oui. C'est un peu le stress, vous savez, de la première, du premier live de l'année, enfin, du premier live de ce AROC 2018. Évidemment, peut-être que vous écoutez aussi Radioactive de temps en temps et que vous nous connaissez grâce à Radioactive. 101.9, bien sûr. 101.9, exactement. Qu'on salue et qui ont aussi un plateau d'ailleurs pour ce AROC, oui, que je vous invite à suivre. On commence par. Premièrement, déjà, on va vous présenter un peu tout ce qu'il y a derrière. Donc vous pouvez voir, il y a des affiches de pas mal d'artistes qui sont présents sur l'événement cette année. Et puis du coup toute la programmation Artbis Off qu'on vous fera à 18h, voilà, que pendant l'heure de l'apéro, qui sera la deuxième émission. Donc deux créneaux de 1h, la première animée par Romain ici présent. Et oui, exactement, on va parler de culture, on va aussi parler de un peu de le hard rock, mais on va dire un peu plus reculé, tout ce qui est culture, exposition. Et bien sûr, on parlera des artistes un peu plus intimement, vous allez voir. Avec différents artistes, dont Hugo qui est avec nous, c'est ça ? Et je laisserai parler juste après. Je tiens à remercier les différentes personnes qui soutiennent ce projet, et oui. Notamment tous les gens qui ont permis d'acheter ce matériel. Tous les gens qui nous ont permis aussi d'avoir différents trucs à boire, à manger, etc. Désolé déjà de ne pas encore avoir les verres de cette année parce qu'ils n'étaient disponibles qu'à partir de 17h et qu'il est 17h et que, comme vous pouvez le voir, nous sommes en live. Donc, un peu compliqué. Et on rappelle bien sûr, c'est de la grenadine. C'est de la grenadine, de la rock l'année dernière. De la rock l'année. Ça fait un an qu'elle est là à traîner, voilà, je l'ai décidé à goûter. Ça s'appelle de la grenadine, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et c'est pour ça que nous n'en buvons pas de l'alcool. Exactement. Pour soutenir les gens qui en boivent. Du coup, ouais, pour remercier un peu tous les restaurants de Saint-Brieuc, tous les gens les bars qui font du Artbis déjà, qui nous permettent d'avoir une programmation un peu plus étendue. Et du coup, en plus, je tiens à remercier le Donkey's Coffee Shop qui est situé juste à côté des champs, si vous ne connaissez pas et que vous avez besoin d'un endroit pour bruncher demain matin ou demain après-midi ou plus tard, que vous voulez prendre un café. N'hésitez pas à aller là-bas, ils nous soutiennent. Sinon, si vous avez besoin de fruits et légumes et de jus d'orange, jus d'orange ou autre, vous pouvez bien sûr aller chez Mi Figue Mi Raisin, rue du Chapitre. Donc, c'est juste à côté d'un rock, donc ce sera assez facile d'accès. Tout de suite, du coup, je vais laisser la parole à Romain. Je vais même quitter ce plateau. My God. Je te laisse avec ton invité, et puis je reviendrai juste après. Voilà. Mais oui, fais des flashbacks. Voilà. Et puis, faut dire que cette année, alors d'habitude, le premier rock, on était pas nombreux. C'était une bonne équipe. Mais bon, on a su valoriser la chose. Et puis cette année, il y a beaucoup de monde ici sur le plateau. Alors attends, tu sais quoi, on va faire la tour de magie. Okay. Oh, magie! Où est-il? En tout cas, on est ensemble et j'en suis ravi. Il y a plein de monde partout, mais en tout cas, on a plein de monde. Alors, pour commencer, je vais te demander de te présenter. Mais qui es-tu? Je m'appelle Hugo Bariol. Ah, sur le micro. Ouais, plus près, beaucoup, beaucoup plus près. Je m'appelle Hugo Bariol, je suis auteur, compositeur, interprète. Ouais. Alors, tu es considéré comme un musicien du métro, encore. Tu étais dans le métro. Exactement. On rappelle les lignes. Y avait Bastille, Pigalle, République. Ouais. Ouais, principalement. C'est toi qui choisissais les lignes, les métros que tu voulais, jouais, ouais. Les endroits où c'était, on te disait tu vas aller là. Non, c'est libre de choix. Donc si un emplacement est disponible, on peut s'y installer. Ok. Et on fait ce qu'on veut. Et comment ça se passe? Je voudrais bien comprendre, et les gens qui nous regardent et même qui nous écoutent veulent comprendre comment ça se passe. Comment on devient musicien du métro
en 2017 ou 2016, même en 2018. Ça fait très longtemps que ça existe, ouais. Mais et ben on s'inscrit en fait sur le site de la RATP. Il y a, ouais, il y a des auditions. Ensuite, on est convoqué, on joue deux morceaux. Donc, genre The Voice, quoi. C'est, voilà. Par contre, les chaises ne se tournent pas. Mais non, il n'y a pas de chaises qui se tournent. Il y a un jury composé de gens qui travaillent pour la RATP, ouais, des personnes qui ne travaillent pas pour la RATP, mais qui ont envie de venir écouter, de donner leur avis. Et une fois qu'on a passé les auditions, et ben, ils décident ils de donner une accréditation qui coûte 15 euros et qui est valable 6 mois. 15 euros, donc c'est-à-dire que tu es obligé de le payer. Ouais, ouais, il faut le payer. L'accréditation. Il faut de toute façon, tu sais bien, il faut toujours tout payer. Il faut rien payer. Rien n'est gratuit, donc. Surtout, même surtout à Paris. Même l'autorisation, ouais, ouais, il faut la payer. Mais après, ça te donne le droit d'aller jouer partout dans le métro, à part sur les quais et dans les rames. Ça, c'est interdit. Dans les quais et les rames, c'est interdit. Ouais. Nuance, ceux qui nous regardent. Attention. Tu n'es plus musicien du métro, mais tu. On va dire que tu restes dans une catégorie qui s'appelle musicien du métro, oui, au Hard Rock, ouais, ouais, 2018, mais tu n'es plus. Pourquoi tu as décidé de partir de cet en fait, endroit? J'ai été jouer dans le métro. Ouais. C'était pas pour y rester, c'était pour essayer de me faire des contacts et de faire, ouais, découvrir ma musique et de réussir à en vivre à l'extérieur. Donc, c'est le cas. Voilà, ça a été le cas. Du coup, ça a pris un peu de temps. J'ai joué 2 ans et demi dans le métro, et j'ai réussi à arrêter la fin novembre, avant les fêtes de Noël en fait. Ok. J'ai réussi à avoir mon statut d'intermittent du spectacle. Qui est compliqué à avoir. Oui. Comment t'as fait? J'ai tout fait pour l'avoir. Non mais en fait il suffit de faire des dates, il suffit de faire 43 dates exactement. Donc il faut trouver des concerts qui soient déclarés. Donc c'est bien de le préciser, tu as fait pour avoir le bout de papier. Pour avoir, pour être... 43 dates. Ouais, déclarées. C'est énorme quand même, 43 dates, parce qu'après, il faut les trouver, les 43 dates. Ouais, bien sûr, c'est pas donné à tout le monde, donc j'ai eu beaucoup de chance de faire beaucoup de premières parties, de faire quelques dates et d'avoir été entouré aussi pour trouver ces concerts. C'est marqué dans ta bio du livre à rock que tout le monde peut feuilleter un peu partout pendant le festival. C'est marqué que tu as assuré de nombreuses premières parties d'Alain Chamfort. Oui. Comment ça s'est arrivé? Comment ça s'est passé? Alain Chamfort est prévu de faire une tournée pour la sortie de son album. Je travaillais avec une personne qui travaillait aussi avec Alain Chamfort, et du coup cette personne a proposé à Alain que j'assure ses premières parties, il a dit oui, et donc je me suis retrouvé en première partie d'Alain Chamfort sur une vingtaine de dates. Comment ça s'est passé, le contact? Comment tu t'es senti pendant les premières parties? Le contact avec le public? Oui, le contact d'abord avec le public et puis avec l'artiste. Très bien, avec l'artiste, c'est un personnage qui est tout à fait... c'est surprenant en fait de voir qu'il a cette carrière qui est quand même assez longue. Extraordinaire. Et qu'il est resté très simple, très, très marrant et très accueillant, très doux. Donc... avec Alain, ça s'est super bien passé. Et avec le public aussi, ça s'est super bien passé. Je dirais qu'ils ont certainement été surpris, le public, de m'avoir en première partie d'Alain Chamfort, parce que je chante en anglais. Ouais. Je ne fais pas de français, donc à la fin des dates, il y avait le public, je pouvais aller à leur rencontre, me demandait pourquoi je ne chantais pas en français, par exemple. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Il y a encore des gens là, qui me suivent, qui viennent me voir en concert, qui m'ont découvert pendant la tournée. Donc ça m'a permis de faire découvrir ma musique davantage et puis même de jouer dans des grandes salles aussi. T'as encore des contacts avec le chanteur, Alain Chamfort? Ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu, mais je sais qu'il y a un nouvel album qui sort là, donc peut-être qu'on se croisera prochainement. Peut-être. Allez, on parle un peu plus de toi et tu viens de me tendre la perche il y a une seconde. Ouais. Pourquoi tu chantes qu'en anglais? La langue française ne te plaît pas? Si, mais c'est que déjà j'écoute principalement de la musique anglophone. Ouais. Toute ma jeunesse, mon père aussi écoutait beaucoup de musique anglophone à la maison.
Donc j'ai grandi en ayant ce genre de musique là. Mmh. Et puis je pense qu'aussi quand j'ai commencé à chanter, je parle de choses assez personnelles dans ma musique. Mmh. C'était une manière de pas lâcher les trucs directement, mais de me cacher derrière la langue. Mais ma voix sonnait beaucoup mieux à mon goût. En anglais, mélodiquement, je trouve que c'est comme ça que j'aime faire résonner ma musique. Allez, on repart dans le passé. On va dire, on allume la machine dans le temps. On arrive à l'âge de découvrir la musique, etc. Comment ça se passe? Comment tu te dis, je veux monter sur scène, je veux faire un de mon métier, la musique? Comment ça s'est fait? Je me suis dit que je voulais en faire mon métier avant quelques années. Mm. C'est encore une fois mon père qui avait un groupe de musique et il répétait à la maison avec ses potes. Donc eux, ils n'ont jamais tourné ou vraiment sorti des albums. Ça restait amateur entre guillemets. D'accord. Ils étaient tous très bons musiciens et mon père est bien meilleur guitariste que moi d'ailleurs. Mais voilà, moi je voyais ça. Répétait, donc moi je suis arrivé à la musique en commençant par la batterie. Ok. Toi, ton instrument, on va dire où tu te sens le plus à l'aise, c'est la batterie? Non, mais là maintenant ça fait 10 ans que je joue de batterie. Ouais. Donc, la guitare? Je pense que ce serait... Bah du coup ça fait à peu près 10 ans que je me suis mis à faire de la guitare. Mm-hmm. Et je suis très très lent dans l'apprentissage, donc même là si tu dis à un guitariste que ça fait 10 ans qu'il joue et que lui il travaille vraiment tous les jours, il va avoir un level de fou par rapport au mien. Mais du coup maintenant ouais je travaille, j'essaye de devenir de m'améliorer avec la guitare. Et donc voilà, alors j'allais te poser une question qu'on compose tout le temps à la fin, mais j'ai envie de te la poser maintenant. Ouais. Tu te vois comment dans 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans? Écoute, si la musique m'apporte toujours du bonheur, j'espère que je continuerai à faire de la musique. Mais en fait, j'espère que je ferai quelque chose qui me plaît. Mais après, j'ai du mal à me projeter. Et donc, j'essaie plutôt de profiter de ce qui se passe là maintenant, aujourd'hui. Je vais jouer sur la scène pour la première fois à Art Rock. Voilà, là, je me focus là-dessus. C'est ce qui arrive là tout de suite. C'est un concert qui est préparé? Comment tu t'es organisé à faire ce concert? Eh bien, je suis avec mon pote Diego qui m'accompagne à la guitare électrique. Donc évidemment, on a répété, on a travaillé, le set aussi parce qu'on est tous les deux là. Ça arrive que je fasse des dates où je suis tout seul, ça arrive que je joue avec un bassiste, un batteur, un guitariste, avec plusieurs musiciens. Mm-hmm. Là, on est deux, donc j'ai fait en sorte que la musique, même si on n'est que deux, sorte du mieux possible. Essayer de choper les gens, essayer de les emmener avec nous. Comment tu fais? Comment on fait? Dans l'écriture des chansons aussi, savoir que quel morceau va être plus intimiste et quel morceau va être un petit peu plus... Tu composes ces chansons? Ouais. Tu les... J'écris et je compose une chanson. Ouais. On va reparler dans un instant. Okay. Mais en tout cas, pour le Hard Rock, tu t'es préparé combien de temps? Je dirais là, depuis que j'ai commencé à faire de la musique, je me prépare à chaque fois. Tout le temps. Donc, mais hier, on a fait une dernière répète avec Diego. On a répété pendant 4 heures. Et je pense qu'on est prêt. Tout est prêt, en tout cas, pour tes concerts qui aura lieu, on rappelle, dans quelques heures, là, à 21h. Sinon, il y aura dès demain, 18h ou dimanche, 18h aussi. On va dire que tu es bien tombé au niveau des horaires. Ouais. Tu tombes pile poil en mangeant ou alors les gens ont envie de découvrir des choses. En tout cas, tu es tombé pile. Cool. Tu composes? Oui, je compose. Comment? Comment tu trouves ton inspiration? Comment tu l'imagines? C'est pas quelque chose qui est réfléchi du tout, c'est quelque chose qui est plus sur un ressenti, comme quand tu regardes un film ou tu vis quelque chose qui peut t'émouvoir. Moi, c'est comme ça que je puise l'inspiration si je passe quelque chose et que je ressens, coup de cœur. J'ai envie de l'extérioriser, donc d'écrire par rapport à ça. Et c'est comme ça que la plupart des chansons naissent. Ensuite, il y a je me suis mis aussi à plus à me mettre à essayer d'écrire en fait, plus que d'attendre que ça arrive. Ouais. J'ai essayé de me poser à une table et de me dire allez, on essaie d'écrire des chansons. Qu'est-ce que je fais? Et finalement, ça marche aussi. Enfin, en tout cas,
tout cas, moi, je suis content pour le moment de ce que j'ai pu écrire. Il faudra voir si le public y suit. Mais, on sera là avec nos caméras, bien sûr, pour regarder. Ouais, mais voilà. Comment ça se passe pour écrire ? Tu te mets, t'es dans ton appartement, ta maison, paf. J'essaye toujours de raconter quelque chose qui me touche et de c'est plus j'écris des chansons pour ça me permet de me sentir bien. Donc j'essaie d'extérioriser en fait ce que je peux avoir en moi et que j'ai un peu de mal à digérer ou ce qui peut me blesser, ce qui peut aussi me rendre heureux. C'est rare que j'écrive des chansons qui soient joyeuses. Pourquoi des chansons que tu préfères utiliser des chansons moins heureuses, pas même des fois tristes peut-être, ouais, bien sûr. Mais que tu caches ton côté heureux dans tes musiques. Pourquoi? Ou même très en peu, fait, tu t'exprimes. Je fais la musique pour extérioriser des choses qui te tracassent, qui te bloquent. Des choses qui sont difficiles à gérer. Donc en fait, le fait de les extérioriser, ça me permet d'être bien dans mes pompes et d'être heureux dans la vie de tous les jours. Donc ma joie, je l'exprime quand je suis avec mes amis, avec ma famille. Mais dans les chansons, c'est un process comme une espèce de thérapie. Tu vois. Une thérapie musicale. Ouais, voilà. On est en 2018. Oui. Tu connais, t'allumes ta télé, t'as une télé-réalité ou un truc comme ça. On t'a jamais proposé de faire The Voice, La Nouvelle Star, tous les torchons. Mm-hmm. On rappelle bien sûr que c'est du jus de pomme non alcoolisé. Ouais, parce que j'aime beaucoup le jus de pomme. T'aimes beaucoup le jus de pomme. Dans la région, vous faites du très bon jus de pomme. Donc oui, du cidre, exactement. Non alcoolisé non plus. Évidemment. Qu'est-ce que tu... T'as jamais voulu tenter The Voice, Nouvelle Star, les télépoubelles, quoi. Non, j'aurais... J'appelle ça les télépoubelles. Hein. J'aurais pas été... je pense que ça m'aurait desservi plus qu'autre chose. Parce que je fais pas de reprise. Je suis pas très bon, en fait, pour chanter les chansons des autres. C'est principalement ce qu'on demande de faire dans ces émissions. Oui. Et comme je l'ai expliqué, moi, je fais de la musique pour extérioriser, pour raconter des choses qui me sont personnelles. Et c'est comme ça que j'ai envie de le vivre. Sinon, j'ai l'impression de pas être sincère. Et dans la musique, en tout cas, j'ai envie d'être... Enfin, même dans la musique et tout, en fait, j'ai envie d'être sincère. D'être commercial. Commercial, je sais pas. Qu'est-ce que tu entends par commercial? La musique qui marche, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La musique, t'es obligé de marcher. Il y a des musiques qui marchent... Il y a des musiques, peut-être tu penses qu'elles ne marchent pas parce qu'il y a moins, parce que c'est, tout le monde ne connaît pas, mais, oui. mais ça marche quand même. Il y a plein de monde qui n'écoute pas que de la musique mainstream. Il y a plein de festivals qui proposent des artistes qui ne font pas que des choses mainstream. Il y a de la place pour tout le monde. Et ceux qui sont heureux en faisant de la musique commerciale, je les respecte. Moi, j'essaie de faire la musique qui me plaît avant tout, qui me touche. Et puis, si ça devient de la musique qui touche un maximum de gens, c'est tout gagné. T'as vu la programmation d'Arock? T'as jeté un petit coup d'œil? T'as vu... Bien sûr. Est-ce que t'as des coups de cœur? Juste derrière moi. Ouais, du coup, c'est super bien. Excusez-moi. Je sais qu'il y a Jake Bug, que j'aime beaucoup. J'ai jamais vu. Enfin, si, j'ai vu une fois en fait en live à Paris. J'ai envie de voir ce que Vald donne sur scène. Ouais. Je vais pouvoir le choper, je crois, juste une demi-heure ce soir parce que je joue pendant qu'il commence. Ok. J'ai envie d'aller voir Juliette Armanet. J'aime beaucoup sa voix. Sa voix avec L'amour en solitaire. Et bien sûr, Rolsan. Dimanche à voir, bien sûr. Ouais, pour finir le festival en beauté. Exactement. Il y a aussi Catherine Ringer ou. Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de noms. Je donnais un petit peu ce qui m'intriguait et que j'avais envie de voir en live que je connais pas. On revient vers toi avec un peut-être on va faire une pause. J'ai envie de faire une pause et on revient en quelques instants, on va parler peut-être d'un futur album, peut-être non, pourquoi, comment, pourquoi, peut-être un EP, que dis? À tout de suite juste après, pas la pub mais la pause.
On est le gang des suites à capuche là un peu. On est de retour en tout cas ici en direct. Et oui, en direct, il est exactement 17h et des brouettes. Que dis-je ? Et on va pas vous cacher, il est 17h23, même 24. Soyez les bienvenus, nous sommes en direct, toujours avec toi Hugo. On parle d'album toujours. Maintenant. Maintenant, on parle d'album. Tout de suite, maintenant. Un album. Oh putain, on va me péter les doigts. Un album. Peut-être ? En préparation ? Un ouais. Souvenir un... En préparation. Le. Je sais pas en fait quand ça va arriver, mais en tout cas ouais, j'ai écrit un album. Tu vas faire bientôt ? Tu vas le sortir ? Bah justement, c'est ce que je peux pas encore te dire parce que je sais pas les dates. En fait, on travaille encore là. C'est dans les tuyaux. Et je pense qu'on va laisser passer l'été. Ah oui, d'accord. On va aller à la plage. Ça sera pas le tube de l'été. Non, ça sera pas le tube de l'été. Mais je. Tu sais, moi, je j'écris pas des tubes de l'été. Non, mais. On sait jamais. Tu sais que maintenant, on sait presque jamais, mais il y a certains tubes comme. Vous savez, La Casa de Papel. Il vient de péter tout. La Casa de Papel avec son titre révolutionnaire ou un truc comme ça des années 1700 et des brouettes est ressorti. Ouais, ouais. Et maintenant, les commerciaux font du business. Tout peut arriver, mais j'en doute. T'en doutes ? Ouais, non, mais de toute façon, il n'y aura rien avant l'été, donc ça, c'est une certitude. Après, ouais, on verra à la rentrée. À la rentrée ? On verra. T'as à la déjà rentrée. Un titre ? Tu sais combien de titres il y aura ? Il va y avoir, je pense qu'il va y avoir 10 titres. 10 titres, d'accord. Peut-être 11. Et pour le moment, non, il n'y a pas encore de titre définitif. Ce sera joyeux ? J'ai réussi. J'ai essayé, en fait, par rapport à l'EP où c'est beaucoup assez mélancolique. De trouver un juste milieu en rajoutant un petit peu plus de dans les mélodies ou dans la rythmique un peu plus de gaieté, mais il va évidemment toujours y avoir cette mélancolie qui me suit, comme je te l'expliquais tout à l'heure, où quand j'écris mes morceaux j'extériorise des choses qui sont pas très funky. C'est quoi tes passions autres que la musique? Je me crois dans thé ou café avec l'autre là sur France 2. Un thé, un café, je suis trop. J'aime bien aller au cinéma. J'aime bien faire la fête avec mes potes. Quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup dessiner, peindre. Mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Ouais, voilà. T'as pas de. Ton hobby, c'est vraiment la musique. Quoi. C'est ton dada. Ouais, exactement. Avant, comme je te disais, je faisais de la batterie, ouais. je prenais beaucoup de plaisir. Après, je me suis mis à la guitare parce que j'avais envie d'écrire des chansons, que j'avais envie de chanter. Et pour le moment, ça me convient. Tu t'auto-produis ou c'est une maison de disques qui te. Je suis signé en maison de disques, donc que j'ai rencontré dans le métro d'ailleurs. En plus. Quand j'étais à Pigalle, qui s'appelle Naïve. Et je suis signé avec eux depuis plus d'un an. Et c'est eux qui produisent mon album. On attend ça avec impatience. On espère que tu reviendras ici sur notre plateau l'année prochaine ou plus tard quand tu passeras ici dans nos. J'espère que l'année prochaine je reviens à Art Rock et que. Ouais. Alice Boinet, si tu nous écoutes. C'est si tu m'écoutes. On est là. On est là, voilà. Tout est dit, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On se retrouve un peu plus tard dans la journée, en tout cas. On va dire que c'est un petit 30 minutes avant la fin, mais qui passe sur Active, mais qui est ici en direct et en vidéo. A tout de suite et même à tout à l'heure.
Bon, il Et rebonjour à tous, enfin rebonsoir, je sais pas, c'est quelle caméra, je pense que c'est celle-ci qu'il faut que je regarde. Tout va bien. Donc Hugo est parti, c'était super sympa de l'avoir, hein. J'espère que ça va être le premier d'une longue série d'artistes qui vont nous rejoindre sur ce plateau et nous faire partager du coup leur expérience à Rock en tant qu'artiste. Mais on essaiera aussi de faire venir des gens qui ne sont pas artistes, qui sont juste de simples spectateurs, comme Corentin qui est... avec nous, Corentin, bonsoir. Bonsoir. Enfin, bonsoir, on peut encore dire bonjour, il fait encore bien jour comme il faut. Voilà, nous, on voulait faire une petite dédicace à l'équipe d'Art Rock, parce qu'on vient de galérer. Comme vous avez pu le voir, peut-être nous avions encore les gobelets de l'année dernière. Voilà, vas-y. Je vais chercher les nouveaux gobelets. Voilà, parce qu'on a pris vraiment, genre là, 20 minutes à essayer de trouver nos bracelets cashless que nous n'avons toujours pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Caméra 2, bonjour. Et du coup, nous n'avons pas pu réussir à avoir nos cachets. Par contre, nous avons pu avoir la magnifique... Mais tu peux... Enfin, c'est bon, t'inquiète pas. La magnifique... Les magnifiques nouveaux gobelets d'Art Rock de cette année. Allez, on va pouvoir boire avec ça. On va pouvoir boire avec ça pour tous nos artistes. Donc voilà, on remercie toute l'équipe qui nous ont quand même bien aidé. Ça a été un peu une quête... On s'est vraiment cru dans un jeu vidéo avec Corentin, en mode... Putain, j'ai rien. Personne à personne, vous devez aller là-bas. Ah non, non, c'est pas nous qui l'avons. Allez voir là-bas. Tu dis, t'es sur WoW. Ah oui, allez voir du côté de la Horde. Oui, pas de soucis. C'est ça. Enfin bon, voilà. Donc, on remercie l'équipe organisatrice d'Art Rock. De toute façon, grâce à qui tout cet événement, cette web TV même, est possible en fait. Sinon, parce que s'il n'y avait pas de festival, ben, on ferait peut-être quand même quelque chose, mais ce serait un peu différent. Et on n'aurait pas, peut-être pas autant d'émissions. Ça va être. Enfin bon, voilà. Formidable. Quelle heure est-il, mon cher Corentin ? Attends, ah, mais... Il est 17h34, exact. 17h35 pendant cette émission. Comme vous le savez, nous aurons l'heure de l'apéro à 19h, où ce sera vraiment plus détente, parler avec telle ou telle personne. On verra qui sera là. Ce sera probablement entre nous ce soir. On va essayer d'avoir un peu plus de monde demain. Mais non, ce soir, ça va être un début tranquillou. Donc, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve vers 18h. Pour l'heure de l'apéro, et après j'espère vous croiser sur le festival si vous y êtes et que vous aurez réussi à avoir votre bracelet cashless. Bien sûr. Parce que nous on l'a pas encore. On l'a pas encore. Super. On se fait des gros bisous, on se dit à tout à l'heure et n'hésitez pas à rester sur le live, mettre de la musique en attendant, faites-vous plaisir quoi. À plus tard. Allez, salut.